seul moment que j'ai kiffé à l'école en classe, pendant un cours, c'est vous dire que je suis en train de restreindre les chances que j'aime ce qui se passe. C'est le cours de reproduction sexuelle. Qui n'a pas kiffé ce cours? C'est le seul moment où tu avais le droit d'en parler ouvertement. Tu pouvais dire kiki, tu pouvais dire tchou, tu pouvais dire tata, tu pouvais dire bocho, tu pouvais dire bobanaba, tu pouvais dire tout. Et avec les termes biologiques. Le phallus va aller rentrer dans les enfants. On dit waouh! C'est encore mieux qu'un film X, les gars! On a des dessins, on a le droit de dessiner tout ce qu'on veut avec les bagages. C'était magnifique! Non, mais alors, on a tous kiffé ça, non? Mais tu sais, en classe, je sais pas comment les gens s'asseyent en classe maintenant, je suis un peu déconnecté. Ça s'asseyait comme ça, tu vois. On s'asseyait comme ça, non? Je cherche à retrouver la pompe, la pose d'avant. Et puis, on montrait toujours le paquet. Ouais. Yeah, yeah, on est là. Comme si on est prêt à jeter la marchandise en nous. Oh non, on était calé. On dit, ouais, le prof, faut sortir des choses. Le prof aussi, il faut le voir. C'est-à-dire le contraste entre lui et les élèves. Bonsoir. Alors, ce cours aujourd'hui, bizarrement, je trouve que vous êtes plus nombreux que d'habitude. Alors, je tiens à vous dire déjà, pour information, où est-ce qu'on s'était arrêté? Hein? Oui. Et là, ça réagit. On s'est arrêté au moment où on parlait du nombre de spermatozoïdes qu'il y avait dans le sperme. Ok, alors, effectivement, le sperme, oui, contient, par jet, il contient 100 millions de spermatozoïdes. Pouah! Les gars! Hein? Ça, c'est intéressant. Et si un être humain, un homme donc, arrive à faire 6 jets, ce qui fait, calcul mentalement, 600 millions de spermatozoïdes. Quel est pas, tu as noté ça? Ah, tu es! On peut envahir l'Afrique! Mais ce qui est choquant, c'est quoi? C'est que. Ce qui est choquant, c'est que lorsque il y avait un idiot d'ami qui cherchait à pagailler pendant ce genre de cours, la conscience, on est calé quoi? Pendant que le prof donne les bonnes paroles qui tombent, bon, pas du ciel, mais du plafond de la salle. Mais Joe, qu'est-ce que tu fous, quoi? Il y a quoi même? Tes parents souffrent de ta scolarité! Hein? Et toi, tu peux quoi? Hein? Oh, le beauté! Mais c'est quoi? Réfléchis, ton avenir est devant toi! Ça, ce sont tes enfants! 500 millions!